Donc, c'est pas compliqué. Ceci est un Don Tarantulio. De la manière ça marche, c'est pas compliqué, c'est qu'habituellement, tu manges la tarantule, puis là, juste vu qu'on n'a pas de scorpion, j'avais des petits restants de pâte de scorpion ici, dans les choses que je t'ai mis à côté, pour que tu puisses goûter au scorpion aussi. Ça, c'est la tarantule, ouais, tu manges ça. C'est vraiment ravissant, hein? Oui, c'est bien. Vous voyez, sont... au Dragon Rouge, ils ont le défi du sang de dragon. C'est vraiment rien à côté de ça. Hein. Ça, tu mets ça dans ta gueule en un coup, puis tu mastiques ça, c'est comme une grosse chip. Ben, tu vois, le sang de dragon, je le mets dans ma gueule en un coup sans problème, mais ça... Par puis contre, t'as un joli 2 onces de tequila. Le verre à shooter est pas mal beau, hein? Ben oui. Comme que j'ai, t'as 24$ de tequila dans ces 2 onces-là. La tequila de très très bonne qualité, vieillit 12 ans. Ouais. Du Don Julio. Ben tu vois, moi qui est tellement sacoche pour le sang de dragon, même que souvent, on me met au défi d'en boire un deuxième, puis j'en bois un deuxième sans problème. Mais ok, non, ça je mange pas ça. Ça, je vais le boire, mais pas en un coup. Ben, littéralement, c'est de la tequila de dégustation. Si tu veux la têter. Ouais, c'est quelque chose que je vais têter, effectivement. Mais en tout cas, je m'en souvenir de la Shop Goblin. Si jamais ça t'intéresse, il y a une affaire sur le menu qui s'appelle le Thor Bueyo. Que ça, c'est un shooter, justement, piquant. Et que si jamais tu le fais sans grimacer, on pourrait te donner une deuxième affaire qui n'est pas sur le menu, qui peut très 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 bien rivaliser avec le sang de dragon, si c'est pas beaucoup plus. C'est-tu normal que le bébé bouge encore? Ben, je te dirais que c'est une sauce à 1 400 000 de Scoville, Québec. OK. Mais c'est normal que le bébé bouge encore? Ça se peut qu'elle saute dessus, mais c'est correct, là. Ils sont quand même assez adorés, là. Ça devrait pas être si pire que ça, là. Si tu veux, tu peux juste manger des pâtes, si tu veux, puis laisser l'abdomen, là. Les pâtes, ça mange très, très bien. C'est croustillant. Puis, ça... Faut pas que tu y regardes la face. Ouais, c'est velu, hein? Oui. Ben, je m'en doutais, remarque bien, là. Mais sincèrement, les petites pâtes de scorpion, ça se mange comme si rien n'était. C'est vraiment des petites choses. Je gage que tu vas dire que ça goûte le poulet. Je sais pas, tu goûtes quelque chose, mais on va dire, ça goûte le poulet. Bon, ben, santé, les gars.